et bienvenue à Montargis Web TV. Pour notre première émission consacrée entièrement à la chanson française, nous avons décidé de rendre hommage à François Béranger. Pourquoi François Béranger? Ce chanteur qui a connu une carrière nationale est né dans le Montargois et plusieurs de ses chansons évoquent le Gâtinais. Nous remercions infiniment les duos qui ont répondu positivement à notre appel et qui ont peu de temps pour se préparer, ainsi que la 4C pour la mise à disposition de l'espace Colette. Cette émission a été tournée dans le cadre d'un projet pédagogique lors d'un stage Web TV. Et maintenant, direction l'espace Colette à Sainte-Geneviève-des-Bois. Construit dans ta tête une ville, dans la chaude torpeur d'un été. Les robes de coton des filles, leurs tresses nattées de fleurs coupées. En riant, elle fuit les garçons, des jardins viennent des flonflons. Construit dans ta tête une ville, dans la chaude torpeur d'un été. Le soir aux terrasses, le vin brille, la nuit prend toute sérénité. Elle fait lever une rumeur, berce les cœurs, marque les heures. Dans les cheveux blonds d'une fille, la main qui caresse et s'arrête. On se dit non, c'est impossible. Et pourtant oui, ça vient, c'est là. C'est gros, c'est noir, ça hurle, ça crache. C'est chenillé, armé, blindé. C'est surmonté d'un fort canon et de plusieurs gueules casquées. Ferme les yeux et vois la ville au matin blême et déprimé. Le sang qui passe du rouge au noir séchant sur les rues labourées. Maisons éventrées, fumantes, stupeur, colère, haine cachée. Ferme les yeux, entends la ville. D'abord elle pleure, puis se reprend et s'interroge pourquoi, comment. Qu'avons-nous fait, pourquoi ce viol? Et qui sont-ils tous ces truands? Injures pavées, arbres coupés. Les gars, les filles, les vieux, les jeunes font une ronde qui rend fou. Tous les guignols à cheveux ras qui ne comprennent vraiment pas. Le monde entier d'abord crédule en reste assis sur son petit cul. Et oui, ça y est, c'est arrivé. Les Cosaques ont été défaits. Construit dans ta tête une ville, dans la chaude torpeur d'un été. Faut jamais se réjouir trop tôt, les Cosaques reviendront bientôt. Et si demain c'était ta ville, mieux vaut ne dormir qu'à moitié. Et si demain c'était ta ville, mieux vaut ne dormir qu'à moitié. Nous remercions Véro et François pour leur interprétation d'Une ville de François Béranger. Alors, pourquoi avoir choisi cette chanson? D'un commun accord, nous avons, Véro et moi, choisi Une ville, car c'est un morceau qui représente pour nous le mieux l'état d'esprit de François Béranger. Texte très engagé, qui évoque une époque bien particulière, un événement très particulier, l'invasion des chars russes, l'invasion de Prague par les chars russes. Et voilà, c'est cet esprit de François Béranger, cet esprit libertaire, voire révolutionnaire, que l'on retrouve parfaitement dans cette chanson. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de la diversité des styles musicaux qui ont été abordés par Béranger?
Alors Béranger, on peut y retrouver différents styles qui vont de la country américaine, du rock and roll, de la valse, de la chanson purement française, folklorique même. Mais toutes ces musiques retrouvent une unité dans l'interprétation et dans les textes. Voilà, François Béranger, ce n'est pas un style musical. Et ça a même été beaucoup plus loin, puisqu'avec un guitariste comme Jean-Pierre Alarcène, ils ont, à mon sens, été des précurseurs, puisqu'ils ont construit des morceaux qui duraient plus d'une demi-heure. Des morceaux très, très musicaux, avec de longues plages musicales. On peut vous retrouver sur les scènes du Gâtinais. Je vais laisser la parole à Véronique. Oui, vu que c'est la seule chanteuse qu'on a dans l'hommage à François Béranger. Ah oui ? Ah bon ? Malheureusement. Ah, d'accord. Oui, mais on a un groupe ensemble avec des amis. On a un groupe qui s'appelle So Far So Good, groupe de jazz, blues, rock, soul, folk, pop. Voilà, un groupe de reprises. Et puis on a fait la fête de la musique à Montargis récemment, en juin. Et puis là, on a quelques dates. En octobre à Saint-Germain-des-Prés et en novembre au Bellman. Voilà, vous êtes aussi chef de chœur. Ah, moi, je suis chef de chœur de la chorale Chantraine de la Don, et puis j'ai un groupe vocal aussi, a cappella, et je chante dans le groupe irlandais de musique irlandaise des Irish. Qui égaye les Saint-Patrick du Gâtinais. Voilà, c'est ça. J'ai quelques souvenirs de soirées à Irish au Croqueur de Pavé. Au Croqueur. Où on a passé une excellente soirée. Ouais, c'est très gentil. Eh bien, on vous remercie encore pour votre interprétation et votre participation à cet hommage. Et on va enchaîner par un nouveau duo qui va arriver sur la scène. Merci. Thank you.
je donne à ceux qui sourient. Et combien le droit de sourire. Rendez-vous dans 20-30 ans pour reparler du bon Venons d'entendre la chanson « Le Vieux » de François Béranger dans le cadre de l'émission « Hommage » qu'on lui consacre. Et c'est Philippe et Joël qui viennent de l'interpréter. Alors, pourquoi avoir choisi cette chanson ? Eh bien, tout simplement parce que j'ai une chanson à configuration acoustique, un piano, un accordéon, une voix, et avec un texte quand même assez poignant, on va dire. J'en profite aussi pour remercier Joël qui m'a accompagné à l'accordéon. Et voilà. Et donc, Joël, vous êtes à la tête d'un orchestre. Oui, je suis à la tête d'un orchestre qui s'intitule, enfin, qui se nomme JL Musique, c'est-à-dire Joël Léger Musique, et pour lequel bon, j'ai repris l'accordéon depuis maintenant 6 ans que je suis en retraite. C'est un peu difficile, mais j'ai remonté une formation avec donc Philippe au clavier, synthé, chant, et Jérôme qui aujourd'hui est aux manettes là pour le son, qui fait guitare, basse, guitare normale, basse et trompette de clavier, pour lequel on fait des animations un peu de droite, de gauche, en fonction des demandes du public. Donc de 3 à 5 musiciens. Voilà, eh bien, on vous remercie et à une prochaine. Merci beaucoup à vous et à bientôt. Au joli mois de mai, en plein état de grâce, on a connu plus d'un qui s'est dit prophétique. Qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Nos chanteurs enragés, les grandes gueules à message, les chanteurs engagés. Maître François Larose sur son trône perché, leur enlève leur fromage, leur enlève leur fromage. Maintenant je vais ranger au musée des souvenirs les mots pour protester, les phrases pour dénoncer, les cris pour réveiller, les colères pour survivre. Les temps bénis sont là. Terminer les rêveries, envoler l'utopie, c'est maintenant qu'on vit. Envoler l'utopie, c'est maintenant qu'on vit. Place au vrai changement. Place au vrai changement. Et puis comme les saisons, les promesses passent. Les nouveaux locataires se sont mis en ménage dans les vieilles pantoufles. Des occupants d'avant, les vrais propriétaires, ça vote l'économie. Faut la gueule par devant et se marre par derrière. Faut la gueule par devant et se marre par derrière. Les lendemains qui chantent assez de ces foutaises. Maintenant qu'on vit, pas hier ni demain. Pour vraiment tout changer, faut changer dans nos têtes. Et ceux qu'on a élus devraient montrer la voie. Où sont les belles idées et la force tranquille? Où sont les belles idées et la force tranquille? Le vrai changement c'est quand? Le vrai changement c'est quand? Présidente à la rose, attention au pouvoir. Ne joue pas au roi de France, redescends dans la rue. Fais-nous les panthéons, tous les jours si tu veux. Fais-nous vibrer encore, trouve des mots nouveaux.
gouverne avec les gens, redonne la parole. Gouverne avec les gens, redonne la parole. Dirigeants distingués, servez-vous du pouvoir. Ouvrir les portes de l'imagination. Ce bateau est trop vieux, sa coque est pleine de trous. Abandonnez l'épave, autant en construire un neuf. Tout est entre vos mains pour changer maintenant. Tout est entre vos mains pour changer maintenant. Place au vrai changement. Place au vrai changement. Venons d'avoir le plaisir d'entendre « Le changement, c'est quand ?», chanson de François Béranger, interprétée par Luc Edom. Et donc maintenant, nous allons les accueillir sur notre plateau. Bonjour à vous. Bonjour Eric. Bonjour, bonjour. Alors, une chanson très entraînante que vous venez de nous interpréter. Dans les travées, les techniciens ont dansé pendant que vous chantiez. On a choisi une chanson, surtout dont le texte est encore un petit peu d'actualité à mon avis, puisque c'est une chanson qui a été écrite en 1982, à l'époque où François Mitterrand a été élu. Et donc c'est une chanson qui parle de Maître François Larose et qui s'adapte tout à fait à l'actualité d'aujourd'hui. Et en plus, effectivement, avec une musique un peu mélange de ragtime et de bourré, assez entraînant, bon, avec des coupures, c'est pas non plus un truc prononcé vu le texte. Mais c'est entraînant, effectivement. Est-ce que cet hommage, quand je t'ai proposé d'y participer, tu connaissais déjà François Béranger ou ça t'a permis de redécouvrir son œuvre ? Alors ça m'a permis de redécouvrir effectivement son œuvre parce que je connaissais de nom quand j'étais adolescent. Quand j'étais petit, je me souviens qu'il y avait des personnes un peu plus âgées qui écoutaient ça. Je me souviens avoir vu traîner quelques albums. Mais voilà, j'ai jamais écouté moi personnellement, même quand je suis devenu après adulte. Bah voilà, c'est pas non plus quelque chose. Faut chercher pour voilà pour vouloir écouter. Voilà, c'est pas mis particulièrement en avant. Voilà, exactement. Et donc non, ça a été un plaisir de redécouvrir tout le répertoire. Bon, il y a quelques chansons qui ont un peu mal vieilli, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont tout à fait d'actualité et très intéressantes. Toute sa période. Surtout fin des années 70-80 avec les musiciens jazz rock et rock progressif, etc. Très intéressant. Ouais. Voilà, et quand je suis allé proposer à Adam de participer, eh bien là, on m'a sorti un 33 tours de François Béranger chez toi. Oui, de mon adolescence, effectivement. Mais c'est, comment dire, c'était sur ce que disait Luc tout à l'heure, c'est-à-dire ce n'était pas tellement notre mouvement, c'est-à-dire c'est les gens, les aînés qui nous ont fait un peu découvrir le truc. Et. Mais il y a un sacré parcours, ce gars-là, quoi, quand même. Alors, je crois que tu t'es renseigné. Tu peux nous parler un peu de la vie de François Béranger. Alors, on sait déjà qu'il est né à Milly, parce que c'est un peu la raison de cet hommage par Montargis Web TV. Mmh. Mais après, on sait qu'il a quitté très vite le Gâtinais, hein, à l'âge de 5 ans. Mmh. Et il s'est retrouvé en banlieue parisienne à, bah, à 16 ans, ça, hein, à bosser en usine. Et puis après, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait une troupe de théâtre itinérante. Et ensuite, il a eu un poste à l'ORTF. Voilà. Et après, il s'est lancé dans sa carrière, quoi, qui a duré pas mal, hein, puisque ça s'est arrêté en 2002. Donc, sacrée carrière. Oui, on retrouve sur YouTube pas mal de concerts, de live de lui d'ailleurs. Et pour moi, c'était la même mouvance que des artistes comme Mama Béa, Maurice Bénin, Alain Meillant, des artistes un peu, comment dire, marginaux, et qui quand même font leur petit chemin année après année, quoi. Voilà, alors dans les artistes qui font leur petit chemin plus local, tu peux nous parler de ton activité de pianiste professionnel ? Eh bien, oui, je suis pianiste. J'essaye d'être professionnel encore. Et oui, j'ai un site internet où je décris mes activités, piano bar, accompagnement de chanteuse, orchestre, quiz musical sur les musiques de films. Enfin, tout ce qui est animation, quoi. C'est pas de la création.
Voilà, tu peux nous donner le nom du site ? Lepianiste.com. On répète, lepianiste.com. Si vous avez besoin d'un pianiste pour une animation d'une soirée, eh bien, vous pouvez faire confiance à Dominique. Voilà. Alors, on va vous remercier d'avoir participé, mais c'était une première rencontre artistique, parce qu'on se connaît depuis un certain temps, tous les trois, mais c'était la première fois qu'on collaborait artistiquement ensemble. Effectivement, et c'est, ça a été un plaisir. Écoute, effectivement, moi, tu es une des premières personnes que j'ai rencontrées quand je suis arrivé dans la région il y a un peu plus de 20 ans. Et donc, quand tu m'as demandé de participer à cet hommage, bien sûr, c'est avec plaisir. Et voilà, surtout par rapport à ce chanteur, effectivement, qui vaut quand même le coup d'être découvert et redécouvert. Et donc, très bonne expérience. Et quand tu veux, pour une prochaine expérience de ce type, soit un hommage à quelqu'un d'autre, ou même pour des choses plus personnelles, voilà. Voilà, et bien, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd et de toute l'équipe de Montargis Web TV. Et comme on a aussi aimé réciproquement travailler avec vous, on vous réinvitera bientôt. Merci. Et maintenant, nous allons retourner sur scène pour écouter une nouvelle chanson de François Béranger. Et nous allons donc poursuivre cet hommage. Autrefois, il y avait des gens qui ont dit « faisons des villes pour enterrer nos frayeurs ». Ce sera plus simple à plusieurs, ce sera plus simple à beaucoup, derrière nos murs de pierre, l'œil collé aux meurtrières, de chasser les hordes de loups, de chasser tout ce qui n'est pas nous. Étrangers pestiférés, truands, saltimbanques filous, juifs errants et faux prophètes. Jour et nuit de la lumière, temple d'or chatoyant. Rumeur douce de la vie, tous les samedis la fête, l'âge d'or des villes vins, ville phare éblouissant, vers qui tous les désirs et les rêves de continents. Et puis les villes ont grandi, sont devenues boulimiques, monstrueuses et hystériques, bouffant tout, ne rendant rien, gigantesques, tentaculaires, boursouflées, et hydropique. Pestilentielle et criarde, villes mutilées dans leur corps, qui exhalent des senteurs de mille tortures chimiques, cadavres très avancés, nous sommes les produits. D'une de ces saloperies, ça s'appelle Paris Lumière. Ça agonise comme Venise. Sous les ponts de Paris coule la Seine et la merde. Nous sommes les produits d'une de ces saloperies où l'un est l'ennemi de l'autre, retranché, aveugle et muet. Chacun fait sa propre géole dans un désert surpeuplé. Des millions de morts s'agitent. Dans un flot d'indifférence, tu me croises. Je te croise. Et vite, nos regards s'évitent. On se frôle par accident, c'est la décharge électrique. Les nourritures éclectiques, en sachet dans du plastique, vont faire de nous des mutants, grosses têtes et corps éthiques. Et bientôt, le centième plan bétonnera notre cerveau. Plus jamais d'insurrection grâce au conditionnement. Alors nous, naïvement, pour nous sauver du néant, par nos guitares fluettes, nos ridicules voix aphones, on balance nos curieux chants. Chants dérisoires inutiles, essayant juste un moment d'être avec vous. Vous avec nous. Puis après, comme si souvent, dans la salle morte et déserte, la solitude va rentrer. Nous aider à tout ranger dans la nuit, les bagnoles vont vers l'hôtel aseptisé, dont les murs pistent une musique. De pauvres musiciens châtrés, et dans le lit seul et froid,
mains en coquille sur le sexe, comme un fœtus dans un ventre, rêves enluminés d'enfants.